Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale unboxing calendrier de l'Avent spécial L'Oréal. Donc j'ai reçu gratuitement ce colis de la part de L'Oréal. Merci beaucoup à vous L'Oréal de m'avoir envoyé ce calendrier de l'Avent pour que je puisse le montrer et vous unboxer ce calendrier. Et parce que franchement c'est vraiment celui qui à mon sens serait le plus intéressant parce que il coûte 89,99€. Il a une valeur de 260€ et on n'a que des full size. Oui, on a donc 24 produits taille réelle, pas de miniature. Il y a 20 produits maquillage, 3 produits soins du visage et 1 produit soin des cheveux. Voilà. Donc personnellement, je suis ravie d'avoir la chance de pouvoir unboxer ce calendrier de l'Avent. Alors personnellement, ce que je vais faire aussi, c'est remettre au fur et à mesure les produits dans les petites cases. Parce que on est le 1er novembre et dans un mois tout pile, voilà, je vais réouvrir ce calendrier jour par jour pour mon plaisir personnel. Voilà, donc ça m'empêchera pas de vous faire des swatchs hein, s'il y a besoin et tout selon les produits. Les produits qui, alors parce que je pense qu'il y a des teintes, voilà, qui ne me conviennent pas ou qui me plaisent moins. Alors celle-ci, je vais soit vous les mettre dans le concours des 10 000 abonnés parce que ça y est, au moment où je filme la vidéo, on est le 31 octobre. On est passé aujourd'hui à 10 000 abonnés. Merci beaucoup à tout le monde. Merci franchement pour votre fidélité. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos commentaires qui, on va dire, en majorité sont trop gentils. Franchement, je pensais pas arriver un jour aux 10 000 abonnés, mais je prépare ce concours depuis un moment. Ça se compte en années même, parce qu'il y a des produits, voilà, je les avais pris, j'avais acheté et tout, il y a un moment pour... parce que je pensais arriver un peu plus vite aux 10 000 abonnés. J'ai mis du temps, mais on va dire que le principal... c'est que vraiment je puisse vous partager ma passion, voilà, deux fois par semaine. Et voilà, donc rendez-vous prochainement pour ce fameux concours. Mais là vraiment j'ai envie de vous montrer donc ce fameux calendrier de l'Avent, vous ouvrir toutes les cases de ce magnifique calendrier. Et, ensuite on va parler au fur et à mesure des produits, on va swatcher certains d'entre eux. Et puis de toute façon, au mois de décembre, forcément, je me maquillerai avec parce que j'aurai trop envie de les tester sur moi. Donc, let's go, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà la bête, il est vachement gros et il est trop beau. Alors, j'ai déjà ouvert ici pour que ce soit plus facile. Et le thème de ce calendrier de l'Avent, on est à Paris. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais là, on a la Tour Eiffel, la Grande Roue. Et ici, normalement, il y a l'Arc de Triomphe. Voilà, l'Arc de Triomphe, des petits ballons. Donc voilà, je vais le mettre derrière, l'ouvrir comme ça en grand. Pour parce que franchement, sérieusement, c'est pas trop beau, c'est trop beau. Il est trop beau ce calendrier, je suis émerveillée et tellement hâte de découvrir chacune des cases. Donc allez, c'est parti. Let's go, commençons par la case. Et il y a 24 cases. Ouais, 24 cases. Commençons par la case, case numéro 1. Ah bah ils disent ce qu'il y a dedans. Alors ça, moi, tu sais ce que c'est. Alors, on a un rouge à lèvres qui a l'air d'être un baume. Je vais essayer de me retourner comme je peux et les remettre au fur et à mesure dedans. Alors on va le swatcher parce que lui il m'intrigue. Donc c'est un baume à lèvres Glow Paradise en teinte 353 Mulberry Ecstatic Sheer. Alors hop, voilà comment ça se présente. Il est trop beau hein. Il a l'air... oh, il est beau. Voilà, donc case numéro 1. Franchement il est trop beau. Vraiment très beau. J'ai...
Ça fait longtemps que je ne me suis pas pris de produits L'Oréal. Mais ça, ceux-là, c'est des nouveaux baumes. Je ne les connaissais pas. Attendez, je leur mets dans sa petite case. Allez, case number 2. Donc, case numéro 2, qui était sur le côté. On a un mascara volume million de cils, baume noir. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que j'ai beaucoup de mascara et je ne vais pas l'ouvrir. Parce que je veux pas qu'il voilà, qu'il s'abîme. Donc voilà. Petit mascara volume million de cils. Ensuite, case numéro 3. Hop. Qui est ici. On a un sérum. Midnight sérum. Oh, ça a l'air bien ça. Ils disent quoi? Enrichi en complexe antioxydant protecteur. Sérum Age Perfect. Renaissance cellulaire. Trop bien, franchement. Trop bien, trop contente. Donc voilà pour la case numéro 3. Case numéro 4. Alors, case numéro 4 qui était également sur le côté, c'est un liner liquide infaillible grip. Alors ça c'est cool, je connaissais pas. Et donc c'est la teinte émeraude. Regardez, il est trop beau, franchement. Trop beau. Donc normalement il se matifie. Donc on verra tout à l'heure. Ensuite, case numéro 5. Oh, mais trop bien. On a une poudre infaillible. Poudre translucide, fixante, universelle, qui lisse et qui matifie. On a 6 grammes. Trop bien. Ah, oh, je suis trop contente. Donc ça, j'ai hâte de tester cette poudre. Ensuite, case numéro 6. Je ne sais. Ah, elle est au milieu. Donc, case numéro 6, on a un masque sérum yeux. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est un petit masque comme ça pour les yeux. Donc, ça, c'est cool. Ça permettra de tester. Rafraîchissant. Donc, hydrate et réduit les cernes. Ça, c'est bien pour les lendemains où t'as pas beaucoup dormi. Voilà. Faut que je rescotche. J'ai tout déchiré. Case numéro 7. Case numéro 7. Alors, on a un gel à sourcils Plump and Set Bro Artist. Trop bien. Alors ça, par contre, ça m'intéresse vraiment. Oh, ouais, j'ai tout rikiki. C'est parfait pour le sourcil. Trop bien. Ouh, moi j'aime bien les gels à sourcils transparents. Parfait. Sérum sourcil renforçateur. Et ça c'est vraiment bien. Franchement, nickel chrome, trop contente. Ensuite, case numéro 8 qui est juste là. Je vais éviter de l'abîmer cette fois-ci. Alors, on a un crayon pour les lèvres color riche en teinte Red Passion, le numéro 297. Je ne sais même pas qu'ils avaient passé au crayon, qu'ils avaient maintenant des crayons carrés. Voilà. Donc celui-ci, je ne l'ouvre pas parce que je sais que je n'utiliserai pas cette couleur. Mais voilà, c'est top d'avoir un crayon pour les lèvres dans les couleurs riches parce que voilà, c'est une gamme qui est vraiment chouette. Ensuite, case numéro 9. On a un fard à paupières mono comme ça. Donc c'est les alors c'est les fards à paupières infusés à l'huile. Eau libre à l'huile. Ah bah, j'ai jamais essayé ces fards. C'est la teinte numéro 16. Détermination. Et celui-ci c'est un mat. Et ben on va l'ouvrir parce que je veux voir ce que ça vaut. Je veux swatcher ce petit fard. Regardez, hop. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc voilà ce que donne la teinte. Franchement, il a l'air plutôt bien. Pigmenté, je trouve plutôt pas mal. Quelquefois, quand c'est trop pigmenté, c'est trop compliqué à utiliser. Et franchement, il a l'air sympa. Donc, hâte de le tester aussi. Ensuite, case numéro 10 qui est en dessous de la 9. On a un rouge à lèvres. Il est trop beau. En teinte 236 Organza. Je pense que je vais aimer cette couleur. Ah oui. Trop beau. Voilà. Ah ouais, trop beau.
Hop. Donc voilà la teinte, il est trop beau. Oh, j'adore. J'adore l'odeur. Voilà, donc le 236 Organza dans la collection Color Rich. Ensuite passons à la case numéro 11. C'est du même côté et ça c'est trop cool. Ça me permettra de tester. On a un mascara, le Air Volume Mega Mascara. Trop bien en teinte noire, black. Je suis trop contente parce que je les ai vus passer et je voulais vraiment tester. Donc c'est l'occasion rêvée pour pouvoir le tester. Donc pareil, pour l'instant on le range, on testera à l'occasion. Je vais essayer de me dépêcher de finir mes autres mascaras pour pouvoir utiliser celui-ci. Ensuite, case numéro 12 qui est ici. On a un deuxième eyeliner liquide. Cette fois-ci, c'est la teinte 02 Blue. Alors ça, c'est cool. On va le tester. L'autre, il n'avait pas de packaging de protection. Lui, oui. Alors, on est sur un bleu un peu intense. Hop. Vous voyez, le vert, il s'est matifié. Donc, le bleu, il est juste au-dessus. C'est celui qui est un peu brillant. Donc, ouais. Et ben franchement c'est intéressant comme liner. Voilà, donc le liner infaillible en teinte bleue. Ensuite case numéro 13 qui est là. On a notre fard à paupières mono, pareil dans les versions ombre à huile. Le numéro 26 Stunner qui est un satin cette fois-ci. Ça c'est pareil, ça a l'air... vraiment joli. Voilà. Voilà, il est juste là, il est hyper lumineux, il est très très beau, vraiment très beau. Ensuite case numéro 14. Numéro 14, regardez ce qu'on a, un joli blush, donc le blush 145 bois de rose, et il a l'air trop beau aussi. Alors, il y a un petit pinceau hein, au cas où dessous, et regardez-moi ce blush, il a l'air trop beau. Oh, ça pour le pour l'automne. Ouais, regardez. Très beau ce petit blush. J'ai hâte de le tester aussi. Ils sont presque rien, ça va, c'est léger. Bien content de cette petite case 14. Ensuite, case numéro 15. Alors, on a un rouge à lèvres liquide en teinte 105 Hyrule. On va le swatcher. Bon, c'est ceux qui ont cet embout là, assez particulier. Il a l'air trop beau aussi. Oh waouh! Alors, c'est un rouge à lèvres liquide mat, je crois. Regardez, il est trop beau. Trop trop beau. Ah j'adore. Alors est-ce que c'est mat? Rouge à lèvres mat. Rouge signature 105 Hyrule. Ensuite case numéro 16. On a la base pour les cils de Lash Paradise. Ah j'adore. J'en avais déjà acheté un d'avance. Donc ça m'en fait un autre d'avance, donc c'est vraiment trop cool. J'adore parce que c'est à base d'huile de jojoba et des vitamines. C'est une très bonne base pour les cils, donc vraiment très contente de l'avoir dans ce calendrier de l'Avent. Ensuite case numéro 17. Alors dans la case numéro 17 on a un masque anti-âge revolumisant, Revitalift Filer acide hyaluronique, repulpe et lisse instantanément l'hydratation continue 24 heures. Donc masque en tissu ultra fin. Donc ça c'est vraiment trop cool. Ça permet vraiment de tester. Moi j'aime bien cette gamme de chez L'Oréal Revitalift. J'ai mon contour de l'œil qui est dans cette gamme. Et vraiment j'aime beaucoup. Donc ça me permettra de tester un masque pour le visage. Ensuite case numéro 18. On a un troisième fard mono de la collection ombre à huile, donc la numéro 32 Commander, donc c'est un satin aussi. Trop bien, il a l'air
trop beau. Ouais, la teinte. Ça sent super bon. J'avais pas senti, ça sent super bon. Oh wow. Hyper pigmenté. Oh wow, il est beau. Hein. Alors, il est moins lumineux, mais il est super beau. Regardez-moi ça. Très beau. Très bien. Case numéro 19. Un crayon pour les yeux Perfect Slim by Super Liner. Donc un crayon waterproof en teinte brown 03. Ah, mais c'est un liner, d'accord. Regardez, un liner marron. Ok. Ah oh, ouais. Ok, eyeliner. Il est bien intense. Hein. Donc, waterproof. J'aime bien le packaging. Très beau. Très bien. Passons à la case numéro 20. On s'approche tout doucement de la fin. Donc là, on a un deuxième crayon pour les lèvres de la gamme Color Rich en teinte Organza 236 qui ira parfaitement avec ce beau rouge à lèvres. Alors lui, je vais l'ouvrir parce que c'est sûr que c'est le genre de crayon que je garde dans ma collection, j'en ai tellement peu. Mais voilà, la teinte me convient beaucoup plus que le rouge. Regardez. Donc on est sur un crayon à tailler. Ah, oh, c'est hyper crémeux, d'accord. Très beau. Ah oui. Voilà, il ira super bien. En même temps, c'est fait exprès. Voilà. Passons à la case numéro 21. Hop. On a quoi? Un crayon pour les yeux. Gel automatique eyeliner infaillible grip en teinte intense black. Ça tombe bien parce que moi qui pensais avoir plein de crayons noirs, et ben pas du tout. Je me suis rendu compte que je n'en achetais presque plus. Alors, attendez, faut que j'arrive à l'ouvrir. Donc hop, c'est un crayon qui est rétractable. Ouais. Et il est juste là-dessus. Parfait. L'intensité me plaît bien, donc je le garde précieusement parce que j'ai donné le dernier que j'avais à ma collègue, voilà, donc enfin, le dernier qui était pas utilisé, j'ai donné à une de mes collègues, voilà, donc voilà, ça me permet d'en avoir un. Okay. Allez, case numéro 22. Ah, intéressant. On a un sérum hydra texturisant pour les cheveux sans rinçage, cheveux déshydratés, fatigués, repulpe et donne du mouvement, 10 fois plus d'hydratation sans alourdir. Donc, Elsève, hyalurone, repulpe. Ça, c'est cool. Et c'est un 150 ml. C'est énorme. Franchement, on a 2% de complexe actif hyaluronique, donc parfait. C'est parti pour la case numéro 23, l'avant-dernière. Case numéro 23, on a un rouge à lèvres, le Color Rich numéro 377, le Perfect Red, qui, alors je vais juste l'ouvrir, mais je vais pas le swatcher, parce que lui, ce qui est sûr, c'est que je ne le mettrai pas, mais si vous aimez les rouges à lèvres rouges, lui il est magnifique. Donc, case numéro 23 avec un rouge à lèvres Color Rich 377, le Perfect Red. Allez, on passe à la dernière. Case numéro 24. Qui est là ? Et on a un mascara Lash Paradise Intense Black. Et je suis trop contente parce que ce mascara est trop bien. Donc voilà, ça c'était la dernière case. Ça va, on finit plutôt pas mal. Donc voilà pour l'ouverture des 24 cases. On est plutôt pas mal. Hein. Bon, forcément, il y a toujours du rouge à lèvres rouge, des teintes un peu farfelues comme ça. Mais franchement, à part le crayon et le rouge à lèvres rouge, le reste, je suis très contente des produits parce que ça me permettra de tester pas mal d'entre eux. Le rouge à lèvres liquide, alors j'en mets jamais, mais il est trop beau. Donc je vous avoue que j'ai bien envie de le tester aussi. Les liners à tester avec ses couleurs et tout. Donc franchement le calendrier est trop bien. Je trouve que pour 89,99€, franchement,
avoir que des formats vente, donc full size, c'est trop bien. Je suis agréablement surprise. Bravo L'Oréal, parce que franchement moi j'ai vu des unboxings de certains calendriers, ça me donnait pas du tout envie, et là franchement d'avoir l'occasion, bon alors là c'est vrai pour le coup je ne l'ai pas payé, mais c'est vrai que c'est un calendrier que j'aurais pu m'acheter parce que il est vraiment riche en produits intéressants. On a voilà, une variété vraiment intéressante, des fards à paupières différents, des liners, on a du crayon pour les yeux, du mascara, du base pour les cils, du gel à sourcils, des soins pour le visage, des rouges à lèvres, pas que du rouge parce que j'ai vu des calendriers de la vente à un rouge, et voilà. Et tous ceux qui n'aiment pas le rouge, comment on fait? Donc parce que franchement ce rouge à lèvres organza, il est trop beau avec le crayon assorti, le baume est trop beau, franchement je suis ravie et contente de pouvoir tester également les nouveaux fards, enfin que moi je ne connaissais pas mais j'avais vu passer, et ben vraiment contente de cette sélection, bravo L'Oréal, et ça me permettra également de tester des soins. Bref, je suis trop contente de ce calendrier de l'Avent. Franchement, je peux que vous le conseiller si vous aimez les calendriers make-up, si vous recherchiez un calendrier maquillage, et ben franchement celui-ci c'est vraiment et ben, un bon calendrier, et moi je trouve le prix plutôt correct entre guillemets, hein, parce que c'est toujours pas donné un calendrier de l'Avent, mais je trouve que pour des produits format vente, format full size, et ben franchement à 89,99€, moi de ce que j'ai vu c'est le seul, hein. Personnellement je trouve que, enfin j'ai remarqué que c'était le seul, et voilà, donc bravo L'Oréal, bravo pour tout ça, je suis ravie, j'ai hâte d'être dans un mois pour pouvoir réouvrir mes petites cases. Je vais essayer de réparer un petit peu la case qui s'était barrée. Voilà. J'ai essayé d'ouvrir délicatement, mais bon, ben voilà. En même temps, c'est pas un calendrier avec des tiroirs et tout. C'est un calendrier, une fois qu'on l'ouvre, malheureusement, même si le packaging est magnifique, malheureusement, c'est un calendrier ensuite qui se jette. Voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi si vous avez déjà pris votre calendrier de l'Avent, lequel vous avez pris, est-ce que ça vous a donné envie de prendre celui-ci? Moi, je suis du genre à regarder un peu des vidéos avant d'acheter un calendrier de l'Avent, parce que bah, quelquefois on est déçu, donc on n'a pas envie de mettre notre argent dans un calendrier, et que les produits à l'intérieur soient pas du tout intéressants. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, et dites-moi tout juste en dessous aux commentaires sur quel calendrier de l'Avent vous avez craqué. Bon, forcément il y aura également calendrier de l'Avent chocolat que j'intégrerai dans mes stories Instagram, donc rejoignez-moi sur Instagram, je vous le mets juste là, voilà. Et puis de toute façon, on retrouvera l'ouverture chaque jour de ce calendrier. Et je pourrai enfin les tester vraiment. Voilà, sauf les produits qui bien entendu ne me conviennent pas au niveau des teintes. Mais bien entendu, je testerai la plupart des produits qui sont dans ce calendrier tout au long du mois de décembre. Donc rejoignez-moi sur Insta, c'est là que je vous ferai l'unboxing chaque jour. Je vous remontrerai ces produits, voilà, au jour le jour, et puis bien entendu mes petits chocolats comme d'habitude, et puis qui sait, peut-être qu'il y aura un autre calendrier de l'Avent, mais en général voilà, ça me convient parfaitement, je suis ravie. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.